Carrie Lam, au pupitre, seul devant une caméra pour lire son discours de politique annuel. Une scène digne d'un gouvernement en exil pour les députés de l'opposition. Un peu plus tôt, ces derniers la prennent à partie dès son arrivée au Parlement local. Dans l'hémicycle, masque de Xi Jinping sur la tête et vêtu de noir, couleur du mouvement pro-démocratie, il tente d'empêcher le discours de la chef de l'exécutif hongkongais. Carrie Lam, imperturbable, commence à prendre la parole, en vain. Slogan scandé, message projeté sur les murs. Face à l'agitation, elle préfère quitter la salle. La séance est suspendue. Lorsque Carrie Lam revient quelques instants plus tard, une nouvelle fois, les députés l'interpellent bruyamment. Après un moment de flottement, la séance est close, Carrie Lam s'éclipse. Devant la presse, les députés frondeurs exigent son départ de l'exécutif local. Nos cinq exigences sont très claires. Je l'exhorte, si elle est incapable de gouverner ou qu'elle n'est pas déterminée à administrer Hong Kong, je l'exhorte à démissionner. Depuis juin, une contestation de grande ampleur secoue Hong Kong. À l'origine contre un projet de loi d'extradition abandonné depuis, le mouvement s'est peu à peu mué en une opposition contre la mainmise de Pékin sur ce territoire semi-autonome depuis son indépendance du Royaume-Uni en 1997.